sens fort. Mamma, mamma. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de One Piece Carise comme sous fond. Aujourd'hui, nous testons Kizaru. L'homme le plus lent du monde, mais accéléré grâce au fruit de la lumière. Drôle de chose, mais bon. Du coup, on va le tester pour voir les interactions avec d'autres personnages. Par exemple, là, bah, on pourrait très bien voir avec Akainu. Ouais, on va très bien voir avec Akainu ce que ça fait. Les interactions qu'il a avec Akainu. Alors, je l'ai jamais utilisé. Donc, faut qu'on voit. Là, on peut mettre ça. Là, on va mettre miroir impérial. Et joyau aux 8 facettes, c'est son attaque spéciale qu'il a d'habitude, c'est ça? En gros, j'imagine que dans tous les cas, ça sera son set ressemblera à ça de base. Donc on va tester ses autres attaques. Ah, c'est peut-être ça plutôt le que je confonds avec on va voir. Force céleste. Dans tous les cas, c'est des coups. Ça, c'est un truc qui donne un effet. Et dans tous les cas, toutes ces attaques, je peux les faire en l'air. Vu que c'est un personnage aérien. Alors, puissance écrasante. Toujours pareil avec la collection de pièces, parce que j'en ai besoin, toujours. Et technique de médecin. Voilà, allons-y. Carré, triangle. Carré, carré. Carré, 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 pardon. Oh. Il donne un coup d'épée ou il tire un énorme laser? Ah non, il tire un énorme laser fin. Ah, il fait juste ça. Et ça, c'est le tout carré. C'est un personnage aérien, faut pas oublier, hein, donc ses meilleures attaques elles sont en l'air. Celle-là je l'aimais bien dans les anciens jeux, ils l'ont laissé, c'est très bien. Et ben. Bon, ensuite. Ok. Et enfin, le... Et une explosion. Ah ouais, le triangle, c'est... Je peux recharger combien de fois? Juste une? Ouais, c'est ça. Donc, au sol, la meilleure attaque, c'est 1, 2, 3. Bon, qu'elle a 1, 2, elle est pas mal aussi. Ouais, ça va. Et là, 1... Ouais, c'est juste ça. Par contre, en l'air... Ouais... Attendez, on va se mettre en l'air direct pour être sûr.
Je trouve que sa meilleure c'est celle-là quand même. Par contre, il y a un truc, c'est que quand il est en mode lumière, il court pas. Enfin, on peut pas le faire courir lui. Peut-être que les autres aussi, je sais pas, je me rappelle plus. Il se déplace pas franchement rapidement. Oh, il m'a volé mon kill. C'est vrai que je regarde pas souvent leur leur provoque, même pas du tout. Alors, j'ai totalement loupé. Pardon. Et j'y pense qu'Izaru, sur Jaws, il peut rien faire. Le diamant c'est comme un miroir, ça réfléchit la lumière. Il aura beau faire exploser des rayons laser sur Jaws, il les déviera totalement. Non. Je sais pas. Oh.
Ouais, on se l'attaque, elle est pas ouf. En vrai, Kizaru serait le pire ennemi de Katakuri. Il serait tellement rapide qu'il pourrait pas prévoir les attaques. Le problème à Katakuri, c'est qu'il peut pas prévoir franchement dans le futur. J'adore son truc. Quand ils sont sur un coup. じゃねえか。最近で蹴散らすめ。なんだこいつら。ふざけた格好しやがって。なんだ。俺たちが一体何人金一家だか分かって言ってやがんのか。 休むといいよ。行くよ。おいおい、可愛い部下たち何しやがる。こいつらとは死ぬ時は一緒と決めてんだよ。スーパーラスター野郎だな。始めようぜよ。男同士の決闘。 On va peut-être pas laisser notre base à l'ennemi aussi. Normalement avec Marco là va y avoir une interaction. わらわに貢ぎ物とはいい心がけじゃ。そこに置いて立ち去るがいい男。そんな。でも釣れないところも。
Oh là 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 là. Les maisons qui résistent pas. Ouais, il y a bien une interaction. C'est le bordel. J'adore quand c'est le bordel comme ça. Surtout qu'on peut tout faire exploser comme avec des personnages comme Kizaru. En vrai. J'ai pas du tout vu une seule fois Sakazuki réagir à Kizaru. Et hop là. Et il y a Okiji et Kizaru qui ont eu la même réaction au moment. What the to. Alors avec lui, est-ce que je fais mieux? J'ai pas l'air de faire mieux qu'avec Kusa. Hein. Pourtant il est puissant. Bon, en même temps là je faisais que m'amuser avec. On va voir si j'essaie de rush avec. Ce que ça fait. Parce que je découvre les attaques, tout ça, maintenant que j'ai les bonnes attaques. On va mettre les perles de sagesse, tout ça là. On va voir ce que ça donne. Parce que avec ces trois lasers qui tombent du ciel et son coup d'épée, c'est pas ouf. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme un truc après là, on s'en fout. Est-ce qu'il y a une interaction spéciale qu'on aimerait voir avec Kizaru?
Peut-être le CP9. Parce qu'en vrai, avec Kizaru, il n'y a pas grand monde qui interagit. Hein. On va voir le CP9. On va voir. Et là. Ah, et ça, c'est le mélange de ça, ça et ça. Ces trois attaques là, c'est ça. Lui, on va le mettre là. Ça, c'est juste un test pour voir ce que ça donne. Et on le mettra ça à la fin. Amaterasu. D'accord. Ouais, en vrai, si je vais plus rapidement, c'est un peu normal, c'est parce que c'est un truc de niveau 13. L'autre, c'est un truc de niveau 17, hein, je rappelle. Là, c'est sûr que je fais plus de dégâts. Ouais, il répète juste ça. Il y a peut-être Sentomaru qui réagirait, mais c'est tout en fait. Je vois pas plus qui pourrait réagir avec Kizaru. C'est des supernovas. Peut-être. On testera un coin où il y a des supernovas avec nous. Ouais, il y a les grands corsaires aussi.
Oula, un paralysé. Je peux rien faire. Elle est dangereuse, hein, Carotte. わしもいると言ったはずだよ。かわいそうに。敵が震えようが決まってるじゃねえか。たとえ世界最強の剣士でも俺のバリアは切れねえ。面白い。俺の剣を知ってなお切れぬというか。 光から逃げられると思ったら大間違いだよ。予定通りに始めるんだ。何人倒れようと俺には関わりのないことだ。 Ah, peut-être réagir à Kobe. Oh, Jabura a vaincu 1000 ennemis, sérieux? C'est rare qu'un ennemi, qu'un allié batte autant d'ennemis en fait. やるんだな。そんなに強いと思うのか。あの程度で喜んでいるようでは、そこは知れるというものだ。俺は勝ち続ける。背中の。Il est sympa à jouer. Et on peut terminer des niveaux comme ça très facilement. Bon, après, c'est pas. C'est des niveaux 13, quoi. Mais quand même. On va essayer de trouver un autre niveau. Plus haut. Et que je fasse rapidement. À partir de là. Eh bah tenez, parfait. On va voir les interactions avec les supernovas. Du coup, trésor sacré, voilà. ねえべ。全員死刑で構わんのかね。ふざけたことを抜かしやがる。死のすぎね。やっそ。おっと。
間がどう組む以上この世に完璧な組織などねご苦労だったね先生を気をつけましてホワイト。On est du côté de la... des pirates et pas de la marine, c'est mieux. Je pensais qu'on était du côté de la marine. On va peut-être avoir une interaction avec Smoker, on va voir. On va faire ça, la puissance d'un amiral. C'est Kizaru qui a réagi au fait qu'un capitaine au défi. Enfin qu'un capitaine, qu'un vice-amiral du coup maintenant. C'était colonel puis vice-amiral qu'il est. Ou contre-amiral, je sais J'imagine que Kizaru va dire ça pareil quand on aura battu très téméraire de la part d'un marine de défier un amiral. Ah, je sens que Sentomaru va réagir. Ouais voilà, il a des interactions avec eux. Ah,
Oh, quand il va te battre Garp, est-ce que... Merde! Elle est où la zone du Colosseum? Voilà, comme ça c'est remonté à fond. Pas retourner combat de Garp. Qu'est-ce qu'il va dire à Garp? Il va dire tu t'es ramolli ou un truc du genre? Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, carrément. C'est bien ce que je disais. Sasugada. Sozou no haruka ue o iru. Kainu, on va voir les interactions en tant qu'ennemi. Avec Fujitora, est-ce qu'il réagit? Là, il a réagi. Un amiral. Mais il a réagi au rang d'amiral. Il n'a pas réagi à Kizaru lui-même. せいぜいお気をつけなすって。
Alors qu'est-ce qu'il va dire? Ah, c'est tout. Ok. Au final, je me suis mis à combattre tout ce que je pouvais, alors que j'aurais pu très bien foncer vers eux et puis vite fait terminer. Donc bon, je sais pas. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hop, on le finit avec l'ulti. Bon, du coup, j'ai dû perdre pas mal de temps à chasser les autres personnages, mais... ça va, en fait, il est bien, Kizaru. Voilà, 12 minutes. Kuzan, lui, je mettais autant de temps, mais en ne chassant pas tous les personnages. Donc il y a quand même une différence, un peu. Il est vraiment pas mal, disons. Après, de là à le mettre avec... avec Ace et Katakuri, je sais pas. Je le mettrais plus avec... avec Ichiji. Mais bon, après, franchement, je ferai une tier list, ça c'est certain. Vous voyez le topo, il y a Katakuri en S tier avec Ace. Et en dessous, il y a Ichiji. Avec Kizaru, il y aurait Mihawk, je pense, que je mettrais. Et puis en A. Non, en A, du coup, ce serait mieux que ça, et du coup, en B, ça serait la moyenne, ça serait Luffy. Je pense que je ferais un truc du genre, pour comparer, en fait. Mais bon, sur ce, je vous dis à tous, à dans deux jours, où l'on testera Akainu, du coup, normalement. Allez, hop!